Bonjour à toutes et à tous. Axéo Service Lyon, que tu diriges, c'est quoi? C'est quoi en gros le développement et qu'est-ce que tu y fais? Oui. Donc depuis 10 ans maintenant, je suis dans ce réseau qui est un réseau multi-service. Donc nous sommes en fait tous indépendants financièrement et juridiquement, on est franchisés. Enfin, c'est vraiment le chemin public, on est aussi plus fort. Moi n'étant pas du tout de couper cette solitude de l'entrepreneur qui est vraiment pas évidente et particulièrement difficile. Nos cabinets, on s'occupe exclusivement de TPE, PME. J'interviens aussi au sein du village Baïséa qui... Pour le personnel de l'hôtellerie. Donc double activité. Évidemment, je suis là pas pour vous vendre des appartements. Et je suis négociatrice en immobilier aussi. Tu t'es très aimée. Et ensuite, je vulgarise ce sujet-là. Merci Chantal Dana de m'avoir invité ici. Émotion pour les enfants, les jeunes. Savez-vous combien de temps vos aliments restent dans vos intestins? Dans ma création de site web. N'hésitez pas à faire passer ma carte, c'est-à-dire qu'on est super sympa et puis elle est super pro en plus de ça. En soirée et puis dans des endroits atypiques. J'ai fondé l'outil, donc ça s'écrit L-O-U-T-Y. J'ai vraiment contracté une maladie inflammatoire. Je suis chef cuisinier à domicile. La mission est de faire de l'aide à la création d'entreprise. Français, il y a bien Calis, mais après Calis, il se passait tout. Moi, c'est ce que je préfère faire, c'est l'humain. Très heureux de vous accueillir, Lionel Badier. On peut vous accueillir du matin au soir. Et... Fondateur de la société LW. Alors moi, c'est Alexandra Merchadier de Société de Mère en Chef. Je vous recommande vivement le Café d'Anthony, car au niveau convivialité, accueil, réseautage, prospection, c'est le top. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des partenariats, potentiellement des clients, mais surtout aussi découvrir des lieux, comme ce matin au Café Hôtel Dieu. Café d'Anthony, c'est comme d'habitude des moments de rencontre. La preuve, c'est que du coup, nous discutons sur un sujet qui est commun et qui voilà, nous intéresse toutes les deux. Voilà, c'est des rencontres et c'est des projets pour la suite et effectivement le fait de se sentir moins seul. Premier Café d'Anthony pour moi et je trouve une jolie réussite, beaucoup d'entrepreneurs rencontrés, un joli lieu en plus découvert, donc certainement le premier d'une longue série. Merci Anthony Rochon. Toujours de belles personnes et puis de belles rencontres. Café d'Anthony, eh ben, ça fait ce que vous voyez là, c'est-à-dire des yeux qui brillent. Eh ben oui, moi j'ai beaucoup aimé ce que je disais tout à l'heure. C'est un événement où c'est assez bienveillant et on se sent à l'aise tout de suite. Donc quand on se sent pas forcément légitime à venir dans les rencontres entrepreneurs comme moi avec un projet un peu différent, ça permet d'être à l'aise et de rencontrer pas mal d'autres entrepreneurs et de repartir vachement plus motivé. Ça m'a apporté une bouffée d'oxygène de sortir un peu de mon quotidien, de faire des vraies rencontres. Merci encore pour l'accueil. Merci de nous avoir accueillis. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci.